Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming pour un nouvel épisode de Donjon de Nullbuck, la deuxième partie de la grosse enclume. Hein. Je pense que ça tiendra en deux parties. J'aurais peut-être pas cavalé dans les couloirs, je vais encore manger un piège. Mais bon, tant pis, on cavale. Hein. On verra bien. On a eu tort d'y aller comme des bourrins. Ok. Ok, j'ai même pas sauvegardé si jamais il y a une tuile. Hein. Une autre statue de nain. Ça fait des froufs. Ça a l'air d'être bon. Attention, la curiosité est un défaut qui peut se révéler mortel. Des brassards pour le nain. Alors attendez. 5. Il donne de la résistance physique. Je perds un point de force. Ah bah oui, mais bon, vas-y, c'est un tank. Hein. Ah, quand même. Ça m'embête un peu. Les bons objets aux bonnes personnes. Ça m'embête un peu de perdre un de force. Mais bon. On cavale. Peut-être pas aller tout droit, je suis un aventurier quand même. Voilà, c'est exactement ça. Oh la grosse enclume. Ah punaise, par le marteau agrafeur de Golter. La vache. Non, c'est une enclume. C'est vraiment incroyable. Bon, ne perdons pas de temps. Je m'en occupe, à boule le bibelot. Pas si vite, mes gaillards. Merde, c'est encore ce prêtre de manque de bol. Tu veux quoi, Glavio de Succube en slip? Vous barrez l'accès à la grosse enclume. Au nom de mon maître, vous avez affaire à un dieu, pas à un rempailleur de chaises. Il y a des gens très bien qui font ce métier. Manque de bol avait tout prévu. Que vous échappiez à la vigilance de Guignax, que vous trouviez un moyen de détruire l'amulette. Tout était prévu. Qui a ouvert les portes au Troguilorque d'après vous? On a droit à un indice pour cette énigme. C'est moi. Moi. Je suis Iznax le Fourbe. Commandeur de l'ordre du dépipé, recteur du fumble luisant, chanoine du trébuchage ultime et grand prêtre de la loose, serviteur de manque de bol. Il a une jolie robe en tout cas. La toute puissance de mon dieu m'accompagne. Manque de bol est avec moi et il n'aime pas les génères. Chrome est avec nous et il n'aime pas ta face de limace. J'ai une vague impression de baston. Hop, est-ce qu'on peut tourner la vue s'il vous plaît? Donc là j'ai un pack de 3 avec leur boss. Ah non, 2, 3, 4, 5. Oh, il y a du monde par là. Oh, il y a du monde des deux côtés. Hein. Avec du poison par ici, du poison, du feu, des machins, l'interrupteur à poison. Non, interrupteur à feu qui est juste là. Les interrupteurs à poison, il est où? Interrupteur à... Ah oui, d'accord, bon. Interrupteur au carré, d'accord, il y a des poisons et des machins. Oh, c'est chiant! J'ai pas envie de les gérer sur tous les fronts, là. J'ai envie d'aller bourrer comme un sac d'un côté, là, comme un gros débile, à base de jeux courts. Et j'ai pas envie de faire autrement. Ouais, on va mettre le petit mec bourrin devant, là. Oh ouais, j'ai pas prévu de faire dans la subtilité, là. Là, je vous le dis, hein. C'était pas... est-ce que j'inverserai pas mon pote Locke qui va traîner du pied un peu avec mon pote le barbare qui lui va pouvoir courir vraiment tout droit comme un sourd. Je vais caler ma sorcière ici. Mon Ranjo par là. La Fifi par ici. Et toi poulet, tu vas les empêcher de nous contourner. Ouh, même pas, tu sais quoi? C'est quoi? Il est directement ici. Il laisse personne là-bas. À mort les infidèles! Que les tourments du fumble s'abattent! Si je me déplace... je peux en toucher un avec ma flèche empoisonnée. On va lancer de la protection. Bouclier!
Ouais, vas-y. Il y a le mur qui me gêne. Donc je suis juste à côté de leur nuage de gaz, j'ai pas fait attention. C'était une très mauvaise idée. L'autre, il a deux cases ou pas? Non. Nous ouais, servons bon, bah, c'est la très mauvais dès le début. Très mauvais dès Fumble le début. Fumble est défoireux. Pour le chaos et les orteils cognés dans les meubles. Par le pouvoir de la luz ancestrale. Par le pouvoir de la luz ancestrale. D'accord, ah oui, ça m'a fait glisser deux gars par terre direct. Ouais, vas-y, bah viens ici, hein, du coup. Hop là. Ah oui, j'ai un barbare qui va gêner par terre, alors vraiment. Vas-y, passe en fût. Je ne suis pas là. Ouais, vous laissera un message. Ah, je peux encore bouger. Je sers la fortune. Oui, c'est vrai, et j'ai c'est une action. Ma joie. Flétrissez dans ma bouche. Je me sens pas bien. File une saucisse à l'elfe. En avant. Sacré paquet de magots, hein. Viens voir ta gueule. Éhontez vos dents, ça vous aidera pour après. À moi, merde. Tu la vois mon énergie astrale, non? Ok, c'est un peu fort, hein. Qu'est-ce que c'est? Je suis pas très fan de là où je suis. Je préfère être pas là, par là. Tiens, un coup de couette. Mais putain, vraiment, aucune esquive. Dès que je me prends une attaque d'opportunité, j'ai aucune esquive. Ouais, tranche-moi ça, là, direct, hein. Je vais rien lui faire, mais bon, vas-y. Zut. Quoi? Ah ouais, direct. Rend des points de vie et soigne une blessure sur 6 personnages du groupe choisis au hasard. C'est sérieux, ça? Bah, vas-y. C'est énervé, ça. L'infortune sourit à ses fidèles. Putain. Vraiment, je suis si mauvais. Oh.
pas envie de me mettre là, c'est un coup à me prendre une explosion dans la face. Ah oui, attends, j'ai ce crétin aussi à gérer là. Vas-y, vire-moi ça. Tu m'as touché les fesses ? Dans ta gueule ! Allez, crève. Allez, à moi! Où est-ce que je vais m'envoyer ça? Ah, j'ai envie de me les gifler de Namzar là, j'ai envie de me les tourbillons de Waza, j'ai envie de tout là. J'ai envie de tout pour faire un monde. Hop, s'il te plaît, merci. Voilà. Regarde ça. Voilà. À moi, vermine. C'est parti. Oui, parce que mon âme est toujours sur la plaque. Ok, d'accord. Oui, crève-moi ça. Hein. Vas-y, crève. Aide-moi! Hop là. Est-ce que j'avance pas au plus? Ouais, vas-y, j'avance au plus. Hein. On y va, on y va, on y va. On pousse, on pousse. Par le pouvoir de la loose ancestrale! Ok, putain, ça y est, ils sont emportés. Ok. Mets-lui un truc empoisonné, ça va l'occuper. Et vas-y, avance. Mais voilà. Vas-y. Oh, ça, ils sont parfaits. Ils sont parfaits. Méchant, prends ça, méchant. Exactement, très méchant même. J'ai pas trop envie de t'exposer plus que ça. T'es un peu exposé là où t'es, mais... Dégâts collatéraux, c'est l'ogre qui a bouffé, heureusement. 39, je suis pas sûr qu'elle les aurait bien vécu. Mais pourquoi? Alors, vraiment, il tient vraiment à passer sur des cases de nul. Tac, 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 tac. Hop, à la baston. Putain, mais c'est Mage qui esquive, il m'emmerde. Critique et votre fumble. Oh non, mais ok, au secours. Même pas en rêve. Bon, ça va être long et douloureux, hein. Vas-y, si tu peux la faire tomber, je suis d'accord. Non. Trop stable, ces mages. Tiens. Hop, j'ai une savonnette. J'avais même pas fait gaffe qu'ils avaient, ils avaient couché ma magicienne. Je me fais même plus attention. J'en prends tellement plein la gueule que je fais même plus gaffe. Ça, c'est une bonne nouvelle pour une fois. Ouais, ça va lâcher du heal et tout. Oh, secours. J'aurais bien aimé attaquer, mais faut tellement soigner que c'est chaud, voire impossible, quoi. C'est...
Chaudement impossible même. Ok. On n'a pas énormément de choix là dans nos possibilités. Et j'ai pas de choix parce que je suis coincé au close. Tiens! Ah, je peux toucher celui que je veux. On égorge les prêtres et on prend leur or. Oh! Par le pouvoir de la louse ancestrale. Ah, ils font si mal avec leur pouvoir de la louse ancestrale. Là. Ça poutre. Ça m'arrange pas. On bouge pas. Mon nain, juste tu la tabasses. Mon cheval, aide-moi. Ok. J'ai besoin que mon voleur se remette debout à un moment donné. Voilà. Place un nain. Voilà, merci mon pote. C'est bon. C'est... Fortune et gloire pour les mercenaires. Ou un coup de dague entre les omoplates. Tac, 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 tac. Même pas mal. Putain. Au secours. Les tricher dans ma bouche. Mais il fait si mal en plus, tordure. Vas-y. Viens ici. Gifle juste celui-là, là. C'est bon, ça suffira. Manque de bol. Aide-moi. Le nain il tanque tellement, c'est une dinguerie. Je crois qu'à la fin il va rester plus que le nain debout. Ah mais putain, mais vraiment. Ça saoule. Esquivez. Tac, enlève-moi un voleur. Oh oui, 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 oui. Ah, je suis là. Vivant, je suis vivant. Prends une action de plus. Prends ta gifle de Namzar. Dégage-moi ce connard. Oh putain, il a pas bougé bien sûr. Sinon ça aurait pas été aussi drôle. Et moi visiblement je peux aller par là sans me prendre de beigne. Et ben j'y vais. Mais à quoi ça te sert d'avoir une si bonne esquive, une si bonne adresse même de manière générale? Quoi? Quoi? Fumble et des foireux. Quoi ça fait frouf? Quoi ça a tabassé mon elfe? Secours. Quoi, pourquoi, pourquoi? Toi, va mourir. Voilà. Hop. Il ne me reste plus qu'un tour avant qu'elle crève, donc on va se la ramener d'entre les morts tout de suite. Hop, prends une bottle, lance ça dans une elfe. J'ai bien dit dedans. Avec ma chance, tous les échecs critiques seront pour moi. Ça va mieux. Très bien. Hop, on va venir ici. Est-ce que tu peux réussir à me toucher un mage un jour avec une compétence? Paf! Dégage! Non! C'est officiel, le nain ne veut pas obtempérer. Combien il reste? Plein de points de vie. On part sur des attaques de base, hein, sur lui, on s'en fout. Hein. Allez. Il frappe sans bruit, mais ah pas oui. Sans douleur. 116. 116, il l'a senti passer celle-là. 116, il me reste même encore, regarde. Hop là, on va tout craquer. Bute-le. Voilà. Prends une flèche empoisonnée. Clac, dans les côtes. Pff, allez, vas-y, le jeu qui veut pas obtempérer. Vas-y.
On va exposer un peu mon voleur, mais bon. Ah, pas 50 solus, hein. Ah, c'est ça. Ah, merci, je comptais sur ton c'est adresse et ton esquive incroyable. Merci de t'être pris 159 dégâts dans la gueule. Putain, même le nain, il lui colle 60, hein, quand même. Hein. C'est pas mal, hein. Ça cogne un peu. Hein. Bah, file un gros jambon au monsieur, là. Hop là, jambon, ma gueule. Ma fifi et son tourbillon de waza et tout ce qui traîne. Vas-y, viens devant, tac tac. T'as un mouvement très impressionnant, je tiens à préciser. 45% de chance, 41% de chance, et bah vas-y, on part sur un 45. Et je l'ai refroidi. Excellent. J'ai clairement un peu trop exposé ma sorcière. Très clairement. Vous pouvez tirer en étant engagé au corps à corps, vous, ça va, vous êtes tranquille. Vous. Ah, vous êtes tranquille. C'est ce que tu m'as esquivé, que je t'ai pas attaqué normalement. Mais bon. Tiens, un coup de couette. Priez le dieu du fumble. Est-ce que ça porte chance? De là où je suis? Trop bien, par contre. J'ai envie de te dégager, même si tu vas prendre une attaque. Je vais quand même te dégager. Je sais pas s'il y a un malus d'esquive à l'attaque de porc, mais... mais la lourdeur, quoi. La lourdeur. Non, ça sert à rien. Tabasse-moi ce machin, là. Je touche rien ni personne, c'est formidable. Vas-y, hop. Baston sur lui. Hop, action supplémentaire. Tabasse-lui la tronche. Oh, monde de merde. Exactement. Je peux même ajouter gros monde de merde. Il n'y a personne sur le triangle, donc ça je m'en fous. Hop, je me cale dans son dos. J'ai un tourbillon de waza. De... Pas de waza, de... Si, de tourbillon de waza. Et... ouais, vas-y. Mettez-vous plus au milieu possible. Très bien, hop, je vais caler à côté, derrière le nain. Avec un peu de chance, le nain bouffera ma place. Le nain, il va se mettre là. Pop, pop. Torgnol, façon Gurdil. Et j'en ai sonné une en plus. Hop, hop, hop. Si un mage qui bouge, il s'en prend une. Le problème, c'est qu'on va me tirer dessus avant que je fasse quoi que ce soit, parce que ce ne sont que des tireurs. Vas-y. Tu peux me lancer un crâne dans cette idiote là. Parfait. Ça, tu te soigneras pas. Tu soigneras pas ta pote, tu soigneras personne. Ouais, t'es déjà libéré de ta glace? Eh ben. Pff, oh, ce qu'on prend dans la gueule. Ouais.
vraiment t'es bon, raclure. Eh ben, viens ici direct. Et tu vas lui caler. Ça régénère la magie, je vois pas d'intérêt. File-lui une popo. Un grand coup terrifiant. Pas convaincu. Oh le bon. Oh le bon. Oh le bon rebond. Oh Polo. Le très bon rebond. Bon, on va juste partir sur une attaque de base. Vire-moi ça là. Oh, t'es sérieux? Odinabo! Et putain. Vas-y. Pute-moi cette connasse là. Qu'elle joue plus jamais. C'est Dailer ça en plus. Voilà, merci. Que ça heal ce truc. Tac 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 tac. Il a tabassé la sorcière. Ah non, mais vraiment, t'as deux bourrins à côté de toi, tu vas les tabasser des cons là-bas. Ah non, mais vraiment. Flétrissez dans ma bouche. Super. C'est vraiment super. Ça serait bien que je me débarrasse quand même de cette connasse avant. Ça fera une personne de moins. Oui, j'y vais. Mort de bol ! Aide-moi ! Voilà. Et ah, on va leur défoncer le groin, ces bouffons en capuche. Aïe ! Et au secours, il me reste plus personne là. Sauf que ça va tabasser mon ranger, c'est vraiment ça? Vas-y, vas-y, c'est vraiment ça? C'est très exactement ça. Et ben, hop. Je voulais tester hein, le ridicule. Mais au moins, il est allé assommé. C'est déjà ça que j'ai gagné. Parfait. Mon nain, est-ce que tu veux bien percuter quelqu'un? À un moment donné. Voilà. Il a pas, ça l'a pas assommé par contre, hein. C'est vraiment. Le mec est invincible, avant tout. Je ne suis pas là. Ah là, mais t'es vraiment. Je te parle plus, encore. Non, il n'y a pas de. Faut que tu fasses quelque chose. Hein. Fasse quelque chose, poulet, je veux pas le savoir, mais là, faut faire des choses. Hein. Voilà. Oui, oui, passe comme ça. Dans le genou. C'est pas mal. Ok, le nain n'est pas tombé. Hop, 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 hop. Tremblement de terre. Où suis-je? Tu es là où tu dois être. Tac. Pourquoi j'ai fait ça? Au secours, je suis un abruti. Qui a besoin de sang? Le nain. Sa tête me dit quelque chose. Allez. J'ai littéralement avancé d'une case. Je suis foutu dans la merde tout seul. Là, il va me recoucher mon ranger. Non, mon ranger est encore vivant. Oh non, terminé. C'était méga bien. Ils sont tous par terre. Bon bah les gars, ça tient plus que sur vous hein. C'est ce qu'il faut se dire. Ah oui, bah ça réveille les gens. Ça, ça court dans les gens. Moi ce que j'aimerais c'est que tu me calmes ce truc. Voilà. Hop là. Vivien. Tac 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 tac. T'aurais pas une petite flèche empoisonnée, un truc à machin? Oh là 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 là, la consommation d'endurance du voleur maintenant. Oufissime. Voilà. Il est très bien par terre. Oh, tu sais quoi? Est-ce qu'on peut juste l'humilier comme ça? Voilà, tu vomis du gobelin dessus. Allez hop, ça part.
Et on fait demi-tour. On part sur une petite gifle de Namzar des familles. Allez. Loma, Agvo, Nodini. Je suis morte. Poum. Et voilà, tu te casses un peu loin, s'il te plaît. Elfort combat. Et le gros, ça devrait plus tarder. Enfin, le ranger ne devrait plus tarder à suivre aussi. Dégage, t'es sur mon chemin. Tac. Pop, on lance tout ce qu'on a comme force dans la bataille. C'est parti. Manque de bol. C'était très douloureux. Le ranger gagne un niveau. L'ogre gagne un niveau. Le nain gagne un niveau. L'elfe gagne un niveau. Le barbare gagne un niveau. Bon, par contre, on a gagné un niveau. Je crois, je crois qu'on a gagné un niveau. Plein de loot. Plein de loot. Non, maître, j'ai échoué. Fou que vous êtes. Non, n'en pas ces points à Guignax. Qu'est-ce qu'il dit? On s'en fout, on l'a eu pour de bon cette fois. Cette crevure ne viendra plus nous chier dans les bottes. Je crois que le moment est venu de détruire l'amulette. Je m'en occupe. Quand même, les livres disaient qu'une partie des pouvoirs du démon Guignax sont piégés dans l'amulette. Je me demande si c'est bien prudent de la détruire. Et c'est maintenant que tu te poses la question? Mieux vaut tard que... trop tard. Bon, mais il se passe quoi si on le fait pas? Je sais pas trop. La main du destin, tremblante, hésite. Que faire? Ne rien non, faire. Non mais bon, le mieux c'est de ne rien faire. Un choix... courageux. Bon, eh bien d'accord. Du coup, le jeu est fini. Quoi? T'es sérieux? Bah ouais, là ils sont cramés, s'ils sont trop cons pour pas détruire l'amulette. Ils vont rester coincés dans une boucle du temps pour l'éternité. Allez, on envoie les crédits. Misère? Non! Pas l'éternité avec le nain! Oh là là, quelle aventure pourrie! C'est malin. Quoi malin? C'est pas moi qui ai des états d'âme. Chrome, et on a rien pillé. Peut-être qu'on pourrait voler le numéro de carte bleue qui est sur cet ordinateur. Akala, miam miam, pizza! Quand même, c'est raide, je veux dire... c'est pas censé être un roguelike pour de vrai. Bon, je suis dans un bon jour. On charge une sauvegarde. La main du destin, tremblante, hésite. Que faire? Alors, jusqu'où ils ont poussé la blague? Non mais bon, le mieux c'est de ne rien faire. Un choix... courageux. Bon, eh bien d'accord. Du coup, le jeu est fini. Quoi? T'es sérieux? Bah ouais, là ils sont cramés, s'ils sont trop cons pour pas détruire la mulette. Bizarre! Non! Oh là là! C'est malin! Quoi malin? Chrome! Peut-être qu'on peut... Quand même... Ok. La main du destin, tremblante, hésite. Que faire? L'amulette semble détruite. Il ne reste que deux morceaux tout calcinés. Parfait! Victoire! Ça veut dire qu'on va pouvoir rentrer à la surface? J'en ai marre de cette mine, hein? Mes cheveux sentent les champignons. On de la froidou, ou d'un zag. Il dit qu'il a un mauvais pressentiment. Il faut rester positif. Je ne vois pas comment la situation pourrait être pire qu'avant. Eh bien moi, je vois tout à fait. Bah voilà. À tout casser, hein. La magicienne gagne un niveau. Il a pris tout le loot. Le voleur gagne un niveau. Okay, ça c'est pour faire demi-tour donc. Nous on veut pas faire demi-tour. On veut aller voir ce qu'on n'a pas vu ailleurs. Il y a plein de choses qu'on n'a pas vu ailleurs, visiblement. Il y a cette porte là. Et il y a le couloir aussi par là. Alors dans le doute, on va quand même taper une petite sauvegarde. Hein.
Quand même, parce que s'il y a une autre saloperie qui traîne, on n'est pas bien. Ok, il y a encore un autre truc par là. Là, il n'y a rien. Là, on voit qu'il y a un coffre. Donc, qui dit un coffre, dit qu'il y a une baston. Au secours. Ah ouais. Il y a carrément une baston. On va pas se la faire comme ça, hein. Je vous remercie, c'était Knarfank sur Comme d'habitude Gaming pour le donjon de Nullbuck. Je vous dis à la prochaine, ciao.